ta Bible. Les gens qui ont Bible, qui ont pris café, d'autres ont pris la bouillie, d'autres ont pris thé. Maintenant, on va manger. On va se nourrir avec la nourriture spirituelle. Alléluia. Notre thème, prends ta Bible. Que Dieu bénisse cette parole. Alléluia. Vous savez, j'ai pris le temps de préparer un thème. Et à la dernière minute, Dieu a changé mon thème. Je vous ai dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Ce que Dieu me dit de faire, je vais, c'est ce que je fais. Et Dieu me permet ce matin de prêcher par sa grâce. On peut acclamer Jésus. Notre thème, asseyez-vous. Dieu sait quand et comment te bénir. Alléluia. Dieu sait quand et comment te bénir. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit, personne ne peut bâtir. Souvent, on court, on se lambate, on se soucie. Mais toutes ces choses, ça ne peut rien apporter si nos vies. Celui qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Celui qui bénit, c'est Dieu. Personne ne peut changer sa vie. C'est Dieu qui peut changer ta vie. Tu ne peux pas décider toi-même. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Et il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Donc, si le temps de Dieu arrive, il te bénit. Il y a un temps pour traverser le désert. Il y a aussi un temps pour arriver à Cana. Alléluia. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Et dans toutes ces choses, Dieu sait quand et comment te bénir. Il fut un moment au ministère ici, une personne avait tellement traversé les épreuves. Et la personne était pressée d'avoir un bureau. Parce que quand le Seigneur a commencé à bénir la personne, un peu, la personne a décidé de faire son bureau. Gloire à Dieu. Et quand la personne a fait son bureau, la personne m'a appelé. Maman, aujourd'hui, j'ai mon bureau. J'ai pu avoir un bureau. J'ai déposé mes meubles, tout. Il faut venir consacrer mon bureau. C'est une bonne nouvelle, non? On peut acclamer Jésus. Et j'ai pris ma Bible. Je suis allé dans son bureau. Dès que je suis arrivé, le Seigneur dit à la personne, ce n'est pas le temps d'avoir un bureau. Il faut dire que c'est choquant. Parce que la personne attendait une bonne parole. Je vais bénir le bureau, je vais t'envoyer des partenaires, je vais faire ceci. C'est ce que la personne attendait.
Mais quand j'ai pris la Bible, j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à méditer. Quand j'ai fini, au moment où j'ai commencé la prière, Dieu dit non. Et d'ailleurs même Dieu dit ça là, il n'y a pas bureau. Tu as mis les meubles, mais je ne vois pas bureau. Oh, les meubles sont là. Mais dans le spirituel, le bureau n'est pas là. Ça n'a pas duré. Je crois que ça fait, je crois, est-ce que ça est arrivé 6 mois même? Il y a eu la crise. La personne a vendu ses meubles moins cher. Gloire à Dieu. Donc souvent l'homme est pressé pour avoir des choses. Une bénédiction, Dieu peut utiliser une bénédiction pour restaurer ta vie. Le diable peut utiliser une bénédiction pour détruire ta vie. C'est pour cela qu'il est important d'attendre le temps de Dieu. Quelqu'un peut avoir une grosse voiture. Je vais avoir une voiture. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu pour toi d'avoir la voiture? Lorsqu'on est dans le temps de Dieu, Dieu combat pour nous. Parce que il combat d'abord avant que nous ayons la bénédiction. Il y a des choses que Dieu doit faire autour de nous. S'il n'a pas encore mené ce combat et qu'on saute les étapes, souvent ça devient très compliqué. Sois patient. Actuellement, c'est la rentrée. Les parents pleurent. Les parents pleurent. Ne te casse pas la tête. Si Dieu te fait grâce, que tu as eu les moyens, tes enfants n'ont qu'à partir. Avec les prières, si Dieu ne le permet pas, laisse tes enfants griller une année. Ça va te choquer, mais laisse les enfants. Reste tranquille. Parce que ce n'est pas toi qui as voulu ça. Tout à l'heure, vous avez entendu les témoignages. Il y a des gens qui ont tout fait, qui ont passé des examens, qui n'ont pas marché. Mais en candidat libre, ils ont eu l'examen. On peut acclamer Jésus. Tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Quand tu as un problème, tu es enfant de Dieu, et que tu as prié que le problème arrive, prends un tabouret, dépose le tabouret. Ton problème n'est qu'à venir s'asseoir. Quand Dieu va venir, il va demander une nouvelle à ton problème. C'est le Seigneur qui va demander les nouvelles. Vas-y, toi, tu vas demander une nouvelle à ton problème. Tu vas te faire du mal. Confie-toi tous tes sujets à Dieu et garde le silence. Alléluia. Moi, je ne me casse pas la tête parce que je me contente de ce que Dieu me donne. Si Dieu ne m'a pas encore donné, je dis c'est parce que ce n'est pas encore son temps. Et voici comment je vis ma vie. Et quand tu vis ta vie comme ça, tu es tranquille. Mais il y a des gens qui forcent, qui forcent, qui forcent. Et après, ils se créent des problèmes. Alléluia. Garde le silence. Reste tranquille. Dis ça à quelqu'un. Touche quelqu'un, faut lui dire, garde le silence. Et reste tranquille. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Dieu peut permettre que par moment, il y a le silence autour de toi. Que tout le monde même t'oublie. Dieu peut le permettre. Alléluia. Prenons Exode, le chapitre 4, verset 19. Exode, le chapitre 4, verset 19. J'ai dit la parole de Dieu avec respect. Amen. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Amadia. Amandia. Va.
va. Retourne en Égypte. Retourne en Égypte. Car tous ceux qui en voulaient à ta vie, tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. Sont morts. Acclame la parole de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, un chrétien qui a véritablement donné sa vie à Dieu, son combat devient le combat de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as donné ta vie à Dieu, c'est Dieu qui combat pour nous. Sinon, nous-mêmes, on ne peut pas combattre. Le Seigneur a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai intercédé. Il est tellement intéressant de donner vos vies à Dieu. Si tu me combats, Dieu va te combattre. C'est intéressant. Ne venez pas à l'église pour avoir un pied dans la maison de Dieu et puis un pied au dehors. La Bible dit, celui qui n'est ni chaud ni froid, Dieu va faire quoi? Il va le... Faut pas permettre que Dieu te vomisse. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, à Mandien, il dit, retourne en Égypte. Retourne en Égypte. Il fit un moment, Moïse avait fui l'Égypte. Il avait fui sa maison. Là où il était, il fit un moment, Moïse avait quitté. Parce qu'il était en danger. Pharaon voulait le tuer. Les gens voulaient tuer Moïse. Parce que poussé par Dieu, il avait l'appel de Dieu. Et l'appel avait commencé à se manifester. Parce que Dieu lui avait confié une mission pour délivrer le peuple d'Israël. Donc il sentait ça. Pour cela, il a tué un Égyptien. Et quand il a tué, il a creusé et puis il a enterré son corps. La chose est arrivée chez Pharaon. Pendant ce temps, il était dans la maison de Pharaon. Il était considéré comme un Égyptien et il tue un Égyptien. Pour cela, Moïse a eu peur et Moïse a fui. Alléluia. Mais la fuite qu'il a eue là, Dieu était dedans. Dieu peut permettre que tu te caches pour un temps. Dieu peut permettre que tu te tais pour un temps. Dieu peut te cacher quelque part. Parce qu'il y a un combat derrière toi. Parce que tu as des ennemis. Souvent des choses arrivent des gens dans leur vie. Tu es chrétien. Tu n'as pas péché, tu n'as rien fait. Mais il y a des choses qui t'arrivent. Il faut garder le silence. Tout n'est pas la sorcellerie. Souvent, Dieu même peut te cacher. Dieu permet que tu sois isolé quelque part. Pour préparer ton terrain. Pour que tu viennes en force. Alléluia. Et c'est comme ça. Moïse était caché. Et Dieu va se manifester. Dieu va se révéler à Moïse. Dieu va dire, va délivrer mon peuple en Égypte. Va les faire sortir pour les conduire à Cana. C'est là que Moïse va dire, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, j'ai des difficultés. Mais comment c'est moi qui dis d'aller libérer ton peuple? Et d'abord, je connais Pharaon. C'est un homme qui est méchant. Il va me tuer. Il va me faire du mal. Dieu dit à Moïse, va-t'en. Je serai avec toi. Lorsque Dieu te confie une mission, il ne t'abandonne pas dans la mission. Si Dieu te confie une mission,
Il te donne la force. Mais toujours, il y a un temps. Et c'est comme ça. Dieu va dire à Moïse, tu peux retourner en Égypte. J'ai déjà mené le combat pour toi. Tous ceux qui voulaient à ta vie, tous ceux qui voulaient te faire du mal, ils ne sont plus. Souvent, il y a des gens qui meurent en pleurs. Mais souvent, même peut-être la personne est morte à cause de toi, à cause de ta délivrance. Souvent, Dieu même a enlevé la personne sur la terre. Notre Dieu que nous adorons, on ne souhaite pas la mort des gens. Mais notre Dieu est terrible. Il est terrible. Alléluia. Il dit, retourne. Parce que tu dois faire mon œuvre. Retourne. Parce que tu dois libérer les vies. Je compte sur toi pour retourner. Tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. Chrétien, ce n'est pas tout ce que Dieu fait qui est mauvais. Souvent, il y a des prières que tu ne dois pas faire. Mais tu pries. Garde le silence. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois garder le silence. Tout ce que tu vis comme épreuve, tu dois garder le silence. Tout combat qui vient dans ta vie, tu dois garder le silence. Tout ce que tu traverses, tu dois garder le silence. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu agit. Il y a un temps où Dieu délivre. Il y a un temps où Dieu bénit. Tu dois rester tranquille. Gloire à Dieu. Il y a un temps. Et quand le temps de Dieu va arriver, Dieu va parler. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu agit. Souvent on dit non, c'est le serviteur de Dieu qui n'aime pas mon affaire, qui ne prie pas pour moi aussi. Il y a un temps. Vous devez être patient lorsque vous marchez avec Dieu. Alléluia. Il y a un temps. Un jour, je prends mon fils à Kissé. Je l'envoie, il dit, va faire mes courses à chaque fois. Il court, il prend taxi. Il court, il prend taxi, il prend taxi, il prend taxi. C'est difficile. Dans cela, il a une petite voiture. La voiture le fatigue. Mais quand je l'appelle, il court. Il aime me servir. Il aime servir maman Sarah. Même quand il dit, il faut t'arrêter, il faut... Non, il court. Et je vois l'amour qu'il a pour moi. Parce que quelqu'un peut te servir, mais toutefois, il n'aime pas ton affaire. Et ce jour-là, je le voyais très fatigué, mais quand même, il est venu. Il dit, il est monté dans sa voiture. Quand il s'est monté, il dit, ah, qu'est-ce que c'est? C'était le temps de Dieu. Je dis, je prophétise. Cette voiture, vieille voiture que tu as là, je ne veux plus voir ça. Tu dois avoir une autre voiture. Ça n'a pas fait 2 mois. Il a vu une nouvelle voiture. Et tu vas avoir encore. Tu vas avoir encore. Gloire à Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu vas avoir encore. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. L'autre roule voiture, tu ne connais pas ton histoire. Son histoire, tu ne connais pas. Celui qui est assis à côté de toi, tu ne connais pas son histoire. Moi non plus, tu ne connais pas mon histoire. Dis à quelqu'un, tais-toi. Dis à quelqu'un, tais-toi. Et regarde Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Lui-même l'a dit à Jacob, je suis avec toi. Notre lutte en tant que chrétien, nous devons tout faire pour que Dieu soit avec nous.
Voici notre lutte. Voici notre combat. La manière dont je mène ma vie spirituelle, est-ce que Dieu est avec moi? La manière dont je vis, est-ce que Dieu est avec moi? Parce que si l'Éternel est avec moi, personne ne sera contre moi. Si le Seigneur est avec moi, si Dieu il est avec moi, ça me suffit. Dis à quelqu'un, ça me suffit. Dans ton combat, que Dieu soit avec toi. Il dit, Jacob, je suis avec toi. Dieu était avec Moïse. Pendant que Moïse vivait les épreuves, Dieu était avec lui. Souvent tu vis des épreuves. Souvent tu parles. Mais dans le secret, tu ne sais pas ce que Dieu fait pour toi. Tu ne sais pas le combat qu'il mène pour toi. Comme il a dit à Pierre. Comme il a dit à Jacob. Je suis avec toi. Lorsqu'on est chrétien que nous vivons des épreuves, nous ne sommes pas seuls. Il y a un temps que Dieu prépare. Il y a un temps. Et nous devons attendre le temps de Dieu. Alléluia. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu ne te connais pas toi-même. Et tu ne sais pas aussi ce qui peut être en danger. Tu ne sais pas. Ce que le diable va utiliser pour te détruire, tu ne sais pas. C'est Dieu qui sait. C'est pour cela lui-même, il a dit dans sa parole. Ne priez pas pour multiplier les paroles. Mais lorsque vous priez, dites que ta volonté s'accomplisse. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. C'est Dieu qui sait ça. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il y a des bénédictions qui peuvent détruire la vie. Deux Chroniques, le chapitre 26, verset 16. Deux Chroniques, chapitre 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant. Son cœur s'éleva pour le perdre. On peut acclamer cette parole. Dieu, lorsqu'il te bénit, il teste ton cœur. C'est quoi la Bible dit? Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu, il te prouve. Il te travaille. Il teste ton cœur. Il teste ton cœur pour voir quel cœur tu as. Alléluia. Voici le roi Ozias, qui est devenu roi très jeune. Et qui était à l'écoute de la parole de Dieu. Il suivait les conseils d'un prophète. Et Dieu l'a béni. Et à un moment, tellement qu'il a été béni, la Bible déclare, son cœur s'est levé pour le perdre. Vous savez, lorsque les gens sont bénis, il y a l'entourage aussi.
qui reçoivent la bénédiction. Mais en même temps, l'entourage peut te conduire à la perdition. Alléluia. L'entourage peut te conduire à la perdition. Ils vont tellement glorifier ta personne. Et ça sera un piège pour toi. Parce que la gloire appartient à Dieu seul. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. La seule chose qui amène Dieu à se révolter contre quelqu'un, sa gloire. Acclame Jésus. Sa gloire. C'est pour cela que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. La gloire appartient à Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il fit bénir, son cœur se révolta contre lui pour le faire perdre. Il rentra dans la maison de Dieu. Il a commencé à faire des choses qu'il ne doit pas faire. Et à cause du pouvoir d'agent, personne ne pouvait parler au roi Ozias. Et la Bible déclare, c'est un homme courageux qui s'approchait de lui et qui lui a dit, ce que tu fais, tu n'as pas le droit. Donc lorsque Dieu nous bénit, il prend le temps de nous préparer pour que nous les hommes, on sache qui on est et qu'on puisse connaître aussi qui est Dieu. Il a dit au peuple d'Israël, avant de te conduire au Cana, à Cana, je t'ai fait marcher dans le désert. Tu as eu un seul vêtement, mais c'est moi qui ai fait et que ce n'était pas déchiré. Tes chaussures, tu as porté ça longtemps, mais j'ai gardé tes chaussures. Maintenant, si tu rentres, il faut que tu saches que tu es un homme, que tu es limité et que c'est moi, Dieu, appartient la gloire. Alléluia. C'est le diable qui ne prépare pas les gens et puis leur donne la gloire. Mais Dieu, il prend le temps de préparer les gens. Regardez Jésus même où il est né. Il est né où? Où ça? Dans une crèche. Donc l'histoire même de l'église, l'église est née dans une crèche. Mais l'église a clamé aujourd'hui. Alléluia. Dieu prend le temps de préparer. Il a pris le temps. Il a mis Moïse qui avait la force pour tuer quelqu'un. Il dit non, le combat que je t'envoie mener, ce n'est pas avec une force comme ça. Ce que tu appelles force en toi là, je vais tuer ça et moi Dieu, je vais te donner la force. Moi Dieu, je vais te donner la force. Et c'est avec ma force que tu vas travailler. Et ma force, ce n'est pas pour gifler les gens. Ma force, ce n'est pas pour utiliser les épées. Ma force, c'est de parler. Et l'onction va accompagner la parole. Alléluia. Il y a un temps. Plus vous refusez que Dieu vous prépare, plus ça dure. Plus vous refusez, parce que Dieu vous veut d'abord pour le salut. Il vous veut pour le salut. Il veut que vous soyez sauvés. Parce que la gloire peut t'amener à la perdition. La bénédiction peut t'amener à la perdition. Plus tu cherches la gloire, plus tu cherches la bénédiction, plus tu te retardes. Mais plus tu cherches Dieu, plus Dieu te bénisse.
C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est dans le royaume, dans la justice de Dieu, dans la vérité de Dieu, se trouve la bénédiction de l'Éternel. Acclamez Jésus. Parce que Dieu ne peut pas te donner une bénédiction pour dominer sur les gens. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction pour que tu puisses dire c'est moi. Le moi, ça n'existe pas chez Dieu. Ça n'existe pas. Le moi appartient à Dieu. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a donné. 5 millions, on a bâti l'église. C'est moi. Ça n'existe pas. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur se révolta contre lui pour le faire perdre. Dieu ne nous bénit pas pour qu'on soit perdu. La Bible dit qu'il pécha contre Dieu. Parce qu'une bénédiction peut t'amener à pécher contre Dieu. Tu as une bénédiction maintenant, tu as l'argent. C'est toi qui sors avec toutes les femmes du monde. C'est toi qui brises l'autorité des autres. Tu ne considères plus les autres. Quand tu prends ta voiture, tu passes. Il faut qu'on sache que c'est toi qui as passé. Dis à quelqu'un, silence. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Dieu, il nous connaît. Il te regarde. Et il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui n'est pas bon pour toi. Il sait ce qui peut t'amener à rétrograder. S'il y a quelque chose qui va t'amener à rétrograder, Dieu va tuer ça d'abord avant de te bénir. Alléluia. Il y a des gens qui ont été bénis et qui ont abandonné Dieu. Jusqu'au jour de jeudi, ça existe. Qui n'ont pas été reconnaissants. Et qui ont dit que c'est leur force qui les a bénis. Qui ont dit que c'est leur savoir qui les a bénis. Et n'ont pas mis Dieu devant. Alléluia. Somme. Somme 139, verset 1 à 5. Somme 139, verset 1 à 5. Éternel. Éternel. Tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis. Tu sais quand je m'assis. Et quand je me lève. Et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche. Là, c'est David qui connaît. Il dit, tu me sondes et tu pénètres toutes mes voies. Dieu lit dans tes pensées. Dieu lit dans ton cœur. Dieu, il te connaît. Alléluia. Le Seigneur connaît ta vie. Il sait ce qui peut te détruire. S'il te donne la bénédiction, il sait où tu peux aller. Il sait où la bénédiction peut te conduire. Il y a des gens qui cherchent bénédiction. À cause de bénédiction, ils vont chez les marabouts. Ils ne se disent même pas que mon âme doit être sauvée. Ça dit même si c'est pour tuer. Si c'est pour aller chez le diable et perdre le salut, ils sont prêts. Si c'est pour aller faire les pratiques et puis être rejeté le dernier jour. Donc quand tu viens chez Dieu, Dieu va prendre le temps de t'enseigner. Dieu va prendre le temps de te transformer. Alléluia. Il va changer ta vie.
Il va délivrer ton âme d'abord. C'est ton âme qui va délivrer d'abord. Ce qui coûte cher à Dieu, c'est l'âme. Donc c'est l'âme qui délivre dans la main du diable. Quelqu'un qui est drogué, qui n'est pas encore délivré de la drogue. Quelqu'un qui est insoula, qui n'est pas encore délivré de ces choses. Tout de suite, il prend une voiture. Dieu lui donne une voiture. Mais Dieu est sage. Dieu sait que toi, là, tu es insoula. Quand il va te donner la voiture, c'est des problèmes qu'il va te créer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord te transformer avant d'envoyer la voiture. Donc, quand la voiture va venir, la voiture ne va pas te détruire. Alléluia. Tout ce que Dieu fait sur nos vies est bon. Mais l'homme ne sait pas que c'est bon. Souvent, l'homme se plaint de Dieu. L'homme parle, souvent même l'homme parle contre Dieu. Dieu connaît ta vie. Il dit, tu me connais. Tu pénètres toutes mes voies. Tu lis mes pensées. Ce que tu dois faire. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais de moi une nouvelle personne. C'est ce que tu dois chercher. Tu ne dois pas courir derrière l'argent. Parce que l'argent peut te détruire. Alléluia. Continue. Tu sais, quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je dis, si Dieu veut bénir quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu veut te bénir. Qui peut empêcher Dieu de te bénir? Dis à quelqu'un, qui peut empêcher Dieu de te bénir? Touche quelqu'un, qui peut empêcher Dieu de te bénir? Dis à quelqu'un, tu es chrétien. Faut dire, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que ton adversaire est plus fort que ton Dieu que tu adores? Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Touche quelqu'un. Nous sommes à l'église. Moi, je ne peux jamais être ton sorcier. Moi, je viens chercher Dieu aussi. Et d'ailleurs, Dieu que tu cherches. Touche quelqu'un, dis-lui ça. Dieu que tu cherches. Est-ce que je suis plus fort que Dieu? Pour te combattre, acclame Jésus. N'accusez pas des gens. Rentrez en vous-même. Prenez Psaume 118. Psaume 118. Verset 13. Psaume 118, verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Mais l'Éternel m'a secouru. On se tient debout pour dire, mais l'Éternel m'a secouru. Encore.
épaules adversaires. Répète adversaire. Tu me poussais. Tu me fais tomber. Mais Dieu m'a secouru. Et tu ne peux pas. Et tu ne peux pas. Acclame Jésus. Asseyez-vous. Vous êtes plus fort que le diable. Enfant de Dieu, vous êtes plus fort que le diable. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Vous voyez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Parce que l'Éternel est avec. Alléluia. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Et si l'Éternel est avec vous, qui peut être contre vous? Et la Bible dit, petit enfant, toi qui es la Bible, toi qui as accepté le Seigneur, celui qui est en toi, qui est en moi? C'est Jésus. Qui est en moi? L'amour. Qui est en moi? La paix. Qui est en moi? Le Saint-Esprit. Qui est en moi? Le Seigneur Jésus. Pour cela, je suis plus fort que le diable. Tu es plus fort que le diable. Donc le diable va te pousser. Tu ne tomberas pas. Comme Jésus. Acclame Jésus avec les cris de joie. Pousse les cris de joie. Gloire à Dieu. Acclame le roi des rois. Alléluia. Je suis venu t'annoncer ce matin un Dieu qui est vivant que tu ne connais pas. Tu l'adores mais tu ne le connais pas. Un Dieu qui est puissant. Alléluia. Pousse les cris de joie à toi, mon Dieu. Alléluia. Ne pleure pas devant tes ennemis parce que Dieu est avec toi. Ne te lamente pas. Dieu est avec toi. La Bible déclare que l'Éternel pourvoit nos besoins. Enfant de Dieu, c'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu ne connais pas tes droits. C'est pour cela que le diable te fatigue. Mais quand tu connais tes droits et que tu connais la parole de Dieu, quand le diable dit, Satan, éloigne-toi de moi. Je n'ai pas affaire à toi, Satan. Attends, Jésus. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Il y a un temps. Mais avant que le temps n'arrive, Dieu va te nourrir. Avant que le temps de gloire n'arrive, Dieu va t'habiller. Amen. Avant que le temps de gloire n'arrive, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ceux qui sont avec lui, Dieu ne les abandonne pas. Alléluia. 1 Samuel. Le chapitre 16, verset 4 à 7. Vas-y le petit mobilier. Vas-y le petit mobilier qui coule ici. Pendant qu'il cherchait l'enfant, pendant combien d'années l'enfant était caché dans ses entrailles quelque part. Il fallait le temps de Dieu pour que ce petit garçon sorte. Non, il faut dire le temps de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 16, verset 4
à 7. 1 Samuel chapitre 7, verset 4 à 7. Mm-hmm. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Il alla à Bethléem. Écoutez la parole de Dieu. Notre délivrance, notre miracle est dans ce que Dieu dit. Si nous sortons de ce que Dieu dit, il n'y a pas de miracle. Samuel est parti avec une parole. Dieu l'envoie, mais il va avec une parole. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, on ne va pas faire l'œuvre de Dieu comme ça. Si nous avons un message de Dieu, si nous avons une parole de Dieu, Dieu se reconnaît et puis Dieu travaille. La Bible déclare, Samuel fit ce que Dieu lui avait dit. Quand Dieu lui a dit de s'élever, il s'est levé. Et il s'en va. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? En tant que chrétien, tu es dans la maison de Dieu. Tu es chrétien. Tu crois en Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit de faire et tu refuses. Parce que tu te dis non, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Je ne suis pas prêt à faire ceci. Je ne suis pas prêt à servir. Je ne suis pas prêt à danser. Je ne suis pas prêt à soutenir. Je ne suis pas. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Si Dieu avec nous, que nous avons l'esprit de Dieu, même si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, pour son œuvre, ce que Dieu nous demande de faire, il faut le faire. Tu peux acclamer Jésus. Et Samuel va s'élever. Continue. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville... C'est à Bethléem où il est parti. Hein? C'est parce que c'est là-bas Dieu l'a envoyé. Il est parti là-bas. Où Dieu ne t'a pas envoyé là, il ne faut pas partir là-bas. Sois là où Dieu te veut. Alléluia. Là où Dieu te veut là, il faut être là. Si tu es là, tu vas avoir ta bénédiction. Continue. Les anciens de la ville accourus effrayés au devant de lui et dit ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Gloire à Dieu. La parole est forte. Hein? Les gens lui demandent ton arrivée là. Tu es un prophète. Tu sors. Tu viens. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou même une bonne nouvelle que tu vas nous annoncer? Il dit non. Je viens avec une bonne nouvelle. Acclame Jésus. Aïe. Et il dit, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Les gens cherchent bénédiction. Seigneur, je vais te bénir. Vous voyez, le diable a des lois qui sont établies sur ces bénédictions. Pour ceux qui vont chez les féticheurs, ils ont des lois. Le diable dit, prends crédit. Prends ceci, fais ceci. Il ne faut pas dormir, fais ceci. Dieu aussi a ses lois. Dieu a ses lois. Là, c'est sa parole. Que le chrétien doit mettre en pratique. Tu veux bénédiction. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci. Dieu n'a même pas confiance à toi. Dieu n'a même pas confiance à ta parole. Une bénédiction pour aller se faire voir. Ce n'est pas ça Dieu veut. Samuel est parti. On lui demande. Il dit, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel.
un sacrifice à l'Éternel. Et le sacrifice c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrifice c'est qui? Le sacrifice c'est qui? Le choix du roi David. Qui dit quelque chose d'autre? Qui? Niama. Mm-hmm. Le sacrifice c'est qui? C'était la révélation sur le choix. La révélation sur le choix. La révélation sur le choix, c'est la même chose. La révélation sur le choix. Et c'est David. Donc David, des gens sont là. Non, Dieu il est fort. Dis à Dieu, il est fort. Dis à Dieu, il est fort. Non. Voici une famille qui est là. Saül. Il est au pouvoir. Il s'en va dire à Isaïe, donne-moi tes enfants, ils vont m'accompagner partout. Il y a un de ses enfants qui est dans le désert. Un monsieur comme ça, Dieu a eu pitié de lui. Il va aller récupérer un de ses enfants. Celui que Dieu va choisir. Et Dieu va le choisir, va l'établir roi sur Israël. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, non? Mais est-ce que David, là, Dieu est obligé de le bénir? Quand nous sommes à l'église, nous marchons avec Dieu. Que nous sommes plusieurs. Et que le temps de Dieu arrive, que Dieu nous bénisse. Est-ce que c'est obligé que Dieu nous bénisse? C'est parce qu'il t'a choisi comme un sacrifice. En même temps qu'il t'a béni, en même temps tu dois quelque chose à Dieu. Acclame Jésus. Parce que tu pouvais mourir dans la galère. Tu pouvais mourir dans la souffrance. Tu pouvais mourir dedans. Mais Dieu prend le temps. Il a dit, il y a des chants à Abidjan, non? Hein? Mais il y a d'autres qui ne porte pas une chemise comme ça. Et c'est obligé, en tant que chante, qui n'a pas de diplôme comme moi ici, que Dieu t'ait choisi, que Dieu te donne du travail. Et c'est obligé. C'est même pas obligé. C'est une grâce. C'est un sacrifice. Je dis à mes parents, moi je dis à mes parents, c'est une grâce que Dieu m'a fait, puis m'a appelé. Donc, j'appartiens à Dieu d'abord avant d'appartenir à mes parents. Ça, le contrat est clair. Si un parent a besoin de 100 000 et Dieu a besoin de 100 000, je vais donner l'argent de Dieu d'abord avant de faire face à un parent. Parce que ce que je gagne, je ne mérite pas ça. Souvent, Dieu va te prendre dans la galère. Il va te prendre quelque part. Dans une souffrance, Dieu te fait. Les parents disent, c'est notre enfant, c'est notre enfant, c'est notre enfant. Quand tu es dans la boue là, tu n'es pas enfant de tout le monde. Mais quand Dieu commence à te faire, tu es enfant de tout le monde. Pour leur dire, c'est Dieu qui m'a fait. C'est nous tous, on bénéficie de ce que Dieu a fait. C'est ça. Et je n'ai pas honte de le dire. Je vais le dire devant des foules. L'évangile est une puissance qui libère. Mais si Dieu a fait sa chose, laissez Dieu et puis gagner un peu avec Dieu. Mais souvent les parents, non, les gens qui sont tout, non, mais c'est Dieu qui a fait sa chose. C'est Dieu qui a planté son arbre. C'est un arbre qui est planté par Dieu. Les fruits appartiennent à Dieu et puis on prend un peu dedans. Mais si on veut prendre tout, Dieu va se fâcher. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut pousser les cris de joie? Parce que Samuel a dit avec l'Esprit de Dieu.
D'abord, Samuel ne connaît pas celui que Dieu va choisir. Hein? Il ne connaît pas. Et celui que Dieu va choisir, c'est un sacrifice. Il appartient à Dieu. Avant d'appartenir à ses parents. C'est quoi Jésus a dit? Quels sont ceux qui sont mes parents, mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. La chose est venue de Dieu. Donc protégeons la chose qui vient de Dieu. Alléluia. Les chrétiens qui n'ont pas compris, quand Dieu commence à bénir, ils donnent d'eau à l'église. Et ils s'en vont. Ils viennent à l'église. L'église n'a même pas de chaise. On lutte les chaises. Oh, Dieu t'a fait passer, traverser des périodes pour te préparer. Pour que tu puisses connaître que c'est lui, Dieu, qui t'a béni. Mais tu donnes dos à Dieu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu prend le temps. L'homme doit comprendre que c'est Dieu qui fait. L'homme doit comprendre que Dieu a besoin de lui. L'homme doit comprendre de la même manière qu'il compte sur Dieu, Dieu aussi compte sur lui. Et que son œuvre compte sur lui. Quand Dieu t'a délivré de tes ennemis, quand ils t'ont poussé, ils n'ont pas voulu que tu travailles. Ils n'ont pas voulu que tu te maries. Ils n'ont pas voulu que tu gagnes certaines choses. Quand le diable a voulu te mettre dans la honte, que Dieu t'a enlevé dedans. Quand tu te rappelles de tous ces temps, tu glorifies le nom du Seigneur. On peut acclamer Jésus-Christ. C'est là maintenant l'homme. L'homme va oublier Dieu. Il va aller mettre ses fatus, des fatus sur sa tête. Il va aller mettre plein de problèmes sur sa tête. Il est sur ces problèmes-là que lui-même l'a créé et puis il oublie Dieu. Et c'est là l'homme va dire non, Dieu ne m'a pas encore béni. Mais Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Alléluia. Continue. Il répondit. Oui. Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Et venez avec moi au sacrifice. Et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe. Il fit sanctifier Isaïe et ses fils. Et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Il les invita au sacrifice. Verset combien? Verset 5. Alléluia. Donc laissons Dieu faire de notre vie ce qu'il veut. Et c'est ce qui sera bon pour toi. C'est ce qui sera bon pour nous. Parce que Dieu nous connaît. Et comment il veut faire? Laissons Dieu faire. Laissons Dieu faire. Ne regarde pas l'autre pour faire. Ne convoite pas l'autre pour bâtir ta vie. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. Ce qu'il va te donner, c'est ce qui va t'arranger. Demeurons dans le plan de Dieu. Alléluia. Et il sait comment opérer le miracle dans ta vie. Et il connaît le temps. Le temps appartient à Dieu. On a vu Géasi ici, dans la Bible, qui n'a pas attendu le temps de Dieu. Qui a détruit sa vie. Donc, comment Dieu veut nous bénir? Et le temps, laissons Dieu. Les choses spirituelles, c'est Dieu qui sait comment opérer dans la vie de chaque personne. Dieu peut te dire, tu es guéri.
Dieu peut te dire, toi reste ici. Dieu peut te dire, toi fais ceci. Alléluia. Prenons un passage. Jean le chapitre 11. Quelqu'un est béni ce matin? Verset 1 à 3. Jean 11, verset 1 à 3. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Reprends. Il y avait un homme malade. Écoutez la parole de Dieu. C'est Dieu que nous adorons. C'est Dieu que nous cherchons. C'est son esprit qui guérit. C'est sa personne qui guérit. C'est sa parole qui guérit. La guérison peut être physique, financière. Dieu peut te restaurer. Alléluia. Dieu n'a pas encore changé. Il est le même. C'est l'homme qui a changé. Aujourd'hui, l'adoration, l'homme a changé l'adoration de Dieu. L'homme ne sait même plus comment aller dans la présence de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent corrompre Dieu. Il veut vivre dans la maison de Dieu et faire ce qu'il veut. Il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas ça, suivre Dieu. Dieu, il a ses principes. Alléluia. La Bible dit que Lazare était malade. Un homme était malade. Certainement, maintenant, tu es malade. Et Dieu sait comment te guérir. Dieu sait comment te restaurer. Ton Dieu guérit toutes les maladies. Ton Dieu délivre les vies. Il y a des gens qui ont de l'argent qui vont à l'hôpital. Qu'on soigne. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent pour aller à l'hôpital. Qui sont à la maison. D'autres ont de l'argent, ils vont à l'hôpital, mais la maladie est toujours là. D'autres n'ont pas l'argent, mais comptent sur Dieu, et Dieu les guérisse. Dans la Bible, à la piscine de Bethsaida, il y avait un homme malade depuis 38 ans. La médecine n'a pas pu guérir cette maladie. Ils l'ont déposé là-bas. Et cet homme attendait le secours de Dieu. Dieu que nous adorons, il guérit. Il guérit toutes les maladies. Quelle que soit la maladie, Dieu guérit. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Mais voici Lazare qui est tombé malade. Lazare, il est tombé malade. La maladie est devenue grave. Et ils sont allés appeler Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Ah, voici quelqu'un qui connaît Dieu et qui tombe malade. La maladie devient grave. Oh, Jésus guérit les maladies. Les gens sont cherchés Jésus pour venir guérir Lazare. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ton échec peut être pour la gloire de Dieu. Ton foyer peut être pour la gloire de Dieu. Tes études peut être pour la gloire de Dieu. On peut te renvoyer dans un travail, ça peut être pour la gloire de Dieu.
Ça peut être pour la gloire de Dieu. Peut-être Dieu veut te donner un autre travail. Enfant de Dieu, je dis, prenez votre problème, déposez ça sur le tabouret. Demandez à Dieu de demander une nouvelle à votre problème. Lazare est tombé malade. Le Seigneur dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Au fur et à mesure, la maladie devient grave. Lazare décède. Alléluia. Chrétien, quelles que soient les épreuves, il faut garder ta foi. Dieu ne va jamais t'abandonner. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, si c'est une maladie, si c'est quelque chose que tu traverses, que tu as comme problème, il faut garder ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. La maladie pour la gloire de Dieu, la maladie devient la mort. Et Jésus ne vient pas. On enterre Lazare. Il a fait combien de jours dans la tombe? Combien? 4 jours. Jésus a fait combien de jours dans la tombe? 3 jours. Lazare, lui, il a fait 4 jours. Un jour passe. Tu pensais que tu allais avoir ça en 2022, tu n'as pas eu ça. 2 jours passent. 3 jours passent. Quatre jours. Voici Jésus qui arrive. Marie dit, Seigneur, tu étais là. Mais Jésus est toujours là. Dis à quelqu'un, Jésus est toujours là. Dis à ton frère, Jésus est toujours là. Il dit, mais si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Même si ta situation est devenue autre chose, Dieu peut faire quelque chose encore dans ta vie. Le Seigneur peut encore faire des miracles. Le Seigneur encore peut guérir encore. Ce que tu cherches, Dieu peut t'accorder encore. Parce que la Bible déclare, rien n'est impossible à ce Dieu. Chrétien, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quelle situation tu as. Mais le Seigneur peut encore faire quelque chose. Parce que Marie a dit, si tu crois, Seigneur, je sais que tout ce que tu vas demander, Dieu le fera. Et ce matin, Dieu est capable d'agir dans ta vie. Dieu est capable d'agir dans ton foyer. Dieu est capable d'agir dans tes finances. Dieu est capable d'agir dans tes études. Il est encore là. Il peut le faire.